petite fille, je voulais être hôtesse de l'air, infirmière, danseuse ou maîtresse d'école. On laisse nos rêves sur le quai et d'un coup, d'un seul, on les voit s'envoler. Alors sans le dire, on s'excuse d'exister. 8 heures de bruit, 8 heures de merci, 8 heures de bonjour. Tu travailles pas bien à l'école, tu deviens un caissière comme la dame. Que répondre? 75,40 €, s'il vous plaît. Caissière, c'est le seul job qui se transforme en vocation obligatoire. Qu'est-ce à dire.com, un blog dont la chronique quotidienne fait état du malaise qui frappe cette catégorie professionnelle. Je veux qu'on chope cette putain de madone des supermarchés. Impossible de repérer l'auteur du blog, monsieur Ferry. Et notre sous-marin, qu'en dit-elle? Toujours en immersion, monsieur. Bonjour. Ce sont les tips du magasin, n'est-ce pas? J'adore ce costume. Moi aussi, j'adore. Je me trouve hyper bonasse en abeille. Et Marie, à combien ils sont les préservatifs? Double magnum, lubrifié au gel de qualité. Vous auriez vu se porter à Moscou. La neige qui virevoltait autour de nous et on a l'impression de flotter. Mais moi aussi, hein, je suis sentimentale. Ben oui. Franchement, je sais pas comment tu peux offrir un avenir à un enfant avec un salaire de caissier. Moi j'en ai un à la maison. Anatole, mon petit frère. La distribution, tu l'auras. J'ai 4 crédits là que je paye, je dois de la thune à la terre entière. Plus dans la merde que Wam, tu peux pas. Y a pas de philosophie, Solveig, y en a pas. Y a juste 200 milliards de chiffre d'affaires pour la grande distribution. Elle est caissière. Et alors, pas bien caissière? Une fille qui veut pas qu'on sache qu'elle fait, c'est forcément une fille qui veut pas qu'on sache qui elle est. Pour qui tu te prends, toi? T'es pas une caissière comme nous? Ça suffit! Non, elle m'embrasse pas, la bétouffe, hein.